Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus en compagnie de Kate pour ce nouvel épisode de Fallout 4, donc dans la Playroom comme d'habitude. On va reprendre la petite exploration. Moi je vais juste vous prévenir que j'aurais mis en fait sur la précédente vidéo parce que je viens de voir ça apparaître sur YouTube, donc c'est génial. Un système de sondage, donc encore une fois YouTube tente de parasiter des sites comme Stropol, tout ça. Bref, moi ça va juste me faire gagner du temps, hein. Je suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils font, mais ça me fait gagner du temps. Donc de ce côté-là, c'est tant mieux pour moi, et pour vous aussi, chers amis, du coup, vous n'aurez pas à cliquer sur un lien. Je mettrai un sondage avec des suggestions permettant de savoir quel genre de choses vous pouvez me mettre, me mettre dans les commentaires, non, ce serait stupide justement, me faire faire plutôt dans le 100e épisode qui arrive, donc on doit être à l'épisode 97 si je me trompe pas avec celui-ci, hein. 96 ou 97. Donc ça arrive très très prochainement, donc très très rapidement pour moi, hein, c'est-à-dire d'ici quelques jours pour moi, hein, 3 jours. Hein. Donc pour vous c'est un peu plus longtemps. Enfin quand vous aurez cette vidéo, normalement ce sera 3 jours aussi, hein. Ça me semble logique. Mais bon, écoutez, donc de ce côté-là... J'en ai marre de cette chaleur. D'accord, il fait chaud, bah écoute si tu le dis. Et donc du coup, oui, je me permettrai de faire quelques... Quelques suggestions à vous tous, hein, directement, et vous voterez pour voir ce que vous voulez. Waouh! Qu'est-ce que... J'en ai buté une, non? Mais il y en avait encore d'autres? Ça devait être moi. Hop, ah, je l'ai pas tué, tiens. C'est qui est derrière moi en train de me coincer, d'accord. Et de une? Putain, mais elle fait mal! Oui, tu peux, hein, vas-y, je t'en prie, fais-le. Donc j'ai légèrement augmenté le son du jeu, chers amis, pour ceux qui ont remarqué. Munitions, capsules. Si tu trouves quelque chose, on partage, hein. Hop. Quoi? Bramine aussi. Il manque un E à Bramine, c'est effacé. C'est bizarre. Par contre, là, il y a clairement quelque chose. Terminal de la tour relais, c'est quoi ce bordel? Déployer les paraboles, prêt. Veuillez vous écarter, quoi? Bah ça, c'est génial! J'imagine que c'est pour une évolution d'une base? Greenbrier. What? Oh là là! On a trouvé plein de trucs. Un radio. Quelqu'un qui cause. Ça doit être par là. Masse fusion. Tiens donc. Signal perdu. Signal trouvé. Donc vers le sud, c'est pas bon. Vers l'est. Ah. Dans un vieux bunker près de la rivière, il y a des bestioles qui grouillent de partout, elles nous encerclent. On peut plus sortir. Si vous entendez ce message, je vous en supplie, tuez ces horreurs. Et venez nous tirer de là. Nos rations commencent à s'épuiser dangereusement. Qu'est-ce que... Ok, il y a une merde... Quelqu'un nous suit. Ceci était un message préenregistré. Il se répétera dans 3 secondes. Par contre, là, je touche, hein. Si quelqu'un voilà. M'entend, je vous en supplie, aidez-nous. Nous sommes piégés dans un vieux bunker près de la rivière. Il y a des bestioles qui grouillent de partout, elles nous encerclent.
C'est bizarre tout ça. On peut plus sortir. Si vous entendez ce message. Bon. Je vous en supplie de tuer ces horreurs. Qu'est-ce qu'on a comme arme? Ok. Nos rations commencent à s'épuiser dangereusement. Yo. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez. La forme? Oh, le nombre de balles que ça a. Si quelqu'un m'entend. Hop. Je vous en supplie. Y'a pas une saloperie derrière nous aussi? Nous sommes piégés dans un vieux bunker près de la rivière. Y'a des bestioles qui grouillent de partout, elles nous encerclent. Ok. On peut plus. Alors, à part les munitions qu'on. Si vous entendez ce message. Alors, est-ce que tu peux continuer à tirer? Non. J'ai même pas eu le droit à mon copain. Ok, j'ai été tué. J'ai été tué aussi sec. Et j'ai même pas fait de sauvegarde, donc c'est génial. Cet épisode de la loose. Bon bah écoutez, on y retourne. Elle était balèze hein, quand même, parce que moi je sais le nombre de balles que j'ai utilisé sur elle, et ça a pas suffi. Je sais bien que j'ai pas grand chose d'améliorer dans les armes automatiques. What? Non mais c'est pas parce que j'avais mis la radio, donc le jeu a bien enregistré que j'avais mis la radio. Vous avez vu ça? Ce foutage de gueule. Hop. Mais le jeu n'a pas enregistré bien sûr, par exemple, que j'avais fait de la route. Bah non. Pourquoi j'aurais fait ça? Je ne suis qu'un jeu. Ok, donc près de la rivière, ils ont un bunker. Dans ce bunker... Alors, quelle rivière? C'est ça la question. Parce que putain, le nombre de rivières qu'il y a dans cet endroit... Oh, encore une rivière qui mène au même endroit d'ailleurs. Est-ce que ce serait le bunker là-bas? Attendez, je regarde sur la carte parce que... Bunker de reconnaissance d'état. Bah oui, apparemment ce serait ça. C'est pas du tout dans la bonne direction. Ah si, ça se pourrait. Et il est pas marqué terminé dessus, donc techniquement. Hop là. Où sont les autres? Allez, montre-moi ce que tu sais faire. D'accord. Excuse-moi. Il lui reste plus qu'une patte au machin quoi. Et du coup, il est beaucoup moins facile à viser. Un petit tête à tête avec mon couteau, ça te branche? Bah apparemment, ça lui a pas plu hein. Par contre, il faudra que je trouve un vrai couteau. Alors, on recommence. Hop, des bramines sans œufs, un PC déployé. Ouais, ce serait bien ça. Hein. Alors juste pour voir, on va essayer quand même, on va essayer de se téléporter directement. Si quelqu'un m'entend, je vous en supplie. Ok. Mais on l'a pas visité ce bunker là, parce qu'il est pas marqué terminé, c'est ça qui m'intrigue. Comme n'étant pas marqué terminé, est-ce qu'il a bel et bien été vidé? Ça me turlupine, littéralement. Bah oui. Donc signal radio perdu. Donc voilà, donc on n'est pas du tout au bon endroit. Tour radio, près de la rivière donc. Waouh, toutes sortes de chiens infestent les terres désolées, des chiens sauvages assoiffés de sang au matin dressés pour le combat. Ils sont moches aussi ceux-là, hein. Putain! Ok. Donc c'est plutôt vers l'est, hein. Aidez-nous. Nous sommes piégés dans un vieux bunker près de la rivière. Il y a des bestioles qui grouillent de partout, elles nous encerclent. On peut plus sortir. Les bestioles, ce serait bien les fongeux. Hein. Si vous entendez ce message, je vous en supplie de tuer ces horreurs. Et venez nous tirer de là. Bon. Si on commence à s'épuiser dangereusement. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Nos rations commencent à s'épuiser dangereusement, vous voyez, donc au final, ils ont déjà été bien... S'il vous en supplie,
aidez-nous. Nous sommes piégés dans un vieux bunker près de la rivière. Et tu vas crever, oui. Qui grouille de partout, elle nous encercle. On peut plus sortir. Wego, 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 wego. Si vous entendez ce message... Wego, 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 wego. Je vous en supplie de tuer ces horreurs. Et venez nous tirer de là. Nos rations commencent à s'épuiser dangereusement. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Non, on l'entend moins. On l'entend moins. Si quelqu'un m'entend, je vous en supplie, aidez-nous. Nous sommes piégés dans un vieux bunker près de la rivière. Il y a des bestioles qui grouillent de partout, elles nous encerclent. On peut plus sortir. Si vous entendez ce message, je vous en supplie, tuez ces horreurs. Et venez nous tirer de là. C'est du caillou, ça. Nos rations commencent à s'épuiser dangereusement. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Ceci était un message préenregistré. Il se répétera dans 3 secondes. Wow! Non, c'est pas ça qu'il faut, là. Si quelqu'un m'entend... Merde, des écorcheurs. Comment ça, des... Aidez-nous. Nous sommes piégés dans un vieux bunker près de la rivière. Il y a des bestioles qui grouillent de partout, elles nous encerclent. On peut plus sortir. Merde. Si vous entendez ce message, je vous en supplie, tuez ces horreurs. Et venez nous tirer de là. Nos rations commencent à s'épuiser dangereusement. Ça m'étonne parce qu'on le trouve pas, le machin. C'est bizarre. Tout ce que vous voudrez. Ceci était un message préenregistré. Hop, je vire un légendaire, c'est pas grave. Ah, ça suffit pas, donc je vais virer la main d'écorcheur. Où est-ce qu'est mon légendaire? Si quelqu'un m'entend... What? Je vous en supplie, aidez-nous. Nous sommes piégés dans un vieux bunker près de la rivière. Il y a des bestioles qui grouillent de partout, elles nous encerclent. On peut plus sortir. Ok. Si vous entendez ce message... Ok, je l'ai perdu. Je vous en supplie, tuez ces horreurs. Hop. Et venez nous tirer de là. Ouais, t'inquiète, j'arrive. On commence à s'épuiser dangereusement. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Boule de bowling. J'en avais pris une, bon bah écoute, je la vire. Hop. C'est pas par là. Si quelqu'un m'entend, je vous en supplie, aidez-nous. Nous sommes piégés dans un vieux bunker près de la rivière. Mais c'est où? Des bestioles qui grouillent de partout, elles nous en servent. Ok, ellipse, les amis, je vais aller voir parce que là je comprends pas où est-ce que c'est. On peut plus sortir. Donc c'est clairement par là. Je vous en supplie, tuez ces horreurs. Et venez nous tirer de là. Ok, je reviens. Nos rations... Putain, chers amis. Oh putain. Ok. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Alors, on serait passé là, on aurait rien vu. Rien vu, sauf... Il se répétera dans 3 secondes. Ceci. Oh putain. Oh la gueule. Oh la gueule. Aidez-nous. Nous sommes piégés dans un vieux bunker près de la rivière. Ok, je suis là. J'arrive. Quoi? Qu'est-ce que... Ah, au final, ouais, vous êtes mort, quoi, tout simplement, ouais. Fruits mutants, bourbon. Mais, enfin, je comprends que vous soyez mort, mais je veux dire... C'était juste ça? Un endroit complètement planqué? Pour ça? Je veux dire, j'avais mille et une raisons de passer à côté, quoi. Enfin, mille et un moyens de passer à côté. Ok, pourquoi pas, bah écoutez, pourquoi pas, hein. Moi je veux bien, hein. Ça ne me dérange pas plus que ça. Ok, on sort. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais quand même aller virer mon bordel que j'ai sur moi, parce que là je suis désolé, j'en ai beaucoup trop. Hop, on va aller dans l'inventaire, virer ce qu'on a pris en trop. On a 4 points en trop, la canne à pêche elle nous pèse 3. Tiens, on vire la canne à pêche et on vire une cartouche de cigarette. Hop, comme ça on peut rentrer à Sanctuary. Hop. On peut rentrer à Sanctuary. Hop, voilà. Et vider nos poches. La force correspond à votre puissance physique brute. Elle détermine le poids que vous pouvez porter ainsi que l'efficacité de toutes vos attaques au corps à corps. Ce qui veut dire que je suis faible compte tenu du peu de
dégâts que je fais avec le shish kebab. Mais enfin bon, c'est pas grave. Ok, j'ai du bordel. Boum. Ça c'est fait. Mes anneaux. Ok. Les armures. Vider le bordel quand même. Ok. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Kate. Hey. Tu veux quoi? Je te prends tout. Non, bah non, je peux pas tout te prendre. Prends ça. Je prends ça, 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 je prends ça. Par contre, il va te falloir des munitions, Kate. Hein. Ça va pas là. Hein. Ah, t'en as pas assez. Je comprends bien. Quoi? Ok. Bah en appuyant sur mes jambes assez fort. Tout simplement. Ok. Alors, on a du bordel à virer. Ça. 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 Le hachoir à viande. Ok. Ça. Super sledge. Ça. 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 Le Reaper, on le garde. Ça, ça, ça et ça. Voilà, le Reaper, j'ai bien envie de... Mon vieux m'a appris qu'on pouvait à chaque fois que je tape sur la même cible, ça me fait plus de dégâts. Lame courbe. Je crois pas qu'il pensait à des impacts de balles. Hop. Et on va l'appeler, on va l'appeler... Mais non, je voulais pas que tu... Bon bah tant pis. Et on va l'appeler... On va l'appeler... Je sais pas comment qu'on pourrait l'appeler, tiens. Oui. Don't. Merde. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Mais chaque jour qui passe, c'est plus facile que la veille. Reaper. Don't fear the Reaper, baby, take my hand. Bref. Wow, ça va être tout vert. Hop là, bim, 5 radiations. C'est génial tout ça. Alors. Chers amis, maintenant qu'on est là, j'aimerais en profiter pour vous montrer quelques petites choses. D'accord, j'avais oublié des choses là-dedans. Ici, vous pouvez voir qu'on a la fameuse nano-suit. Et ensuite, on a l'armure B90. Et je crois qu'on l'a aussi en version institut. Donc voilà, l'objectif, chers amis, c'est que si vous le souhaitez, dans cette... Vous voyez qu'il y a des jolies choses, hein. Dans cet épisode 100, je pourrais, si vous le souhaitez, dans les sondages, mettre cette armure. Crafter, peut-être crafter de manière cheatée quand même un petit peu, hein. Et mettre cette armure. Exclusivement dans cet épisode. Parce qu'elle est complètement... Elle est pas Lord Flannery, c'est-à-dire qu'elle est pas... Elle fait pas partie du tout de l'univers, sauf peut-être un petit peu, elle a peut-être un petit côté institut. Bon, après ça, c'est à nous de voir, hein. Mais sur le principe, c'est ça. Donc, moi, si vous le souhaitez, je peux la mettre. Je peux aller la mettre, je la ferai mettre. Et avec ça, je ne mettrai que des armes, par exemple, je sais pas, admettons comme ça. Je me mets en mode institut, donc que des armes laser, par exemple. Vous voyez? Que des armes laser, un full équipement laser. Et je prendrai avec moi, je sais pas, peut-être Curie. Curie dans une armure sympa. Normalement, elle a toujours son armure nano-suit. Voilà. Attendez, je vais arrêter immédiatement ce que je fais pour vous parler. Ou pas? Fichez-moi la paix. Vous avez besoin de. Sachant que moi, je remettrai peut-être une autre armure aussi, hein. Peut-être au moins un autre chapeau, entre guillemets. Donc voilà. Travailler pour manger. Restez peut-être dans le cadre très très serré de l'institut, vu qu'après tout c'est la qu'est-ce qu'il y a la faction qu'on a choisie. Et on irait bien. Moi, ça me tend très bien, chers amis, c'est-à-dire de continuer à de fouiller la zone. Vous voyez, principalement ici, la zone ici en fait. Pourquoi? Bah parce que, comme c'est le centre-ville, entre guillemets, le centre de la map, j'imagine qu'il doit y avoir un paquet de vertiptères et donc péter un paquet de mecs de la confrérie de l'acier, tout simplement. Parce que je ne veux pas aller tout de suite ici, au Pride Wayne, parce que j'ai peur qu'en fait, quand on va aller au Pride Wayne, on fasse une connerie, on empêche la suite de l'histoire, tout simplement. Donc plutôt rester dans la zone là, vous voyez. Et faire le tour, continuer à explorer toute cette île-là, en fait.
en mode institut et en défouraillant avec des armes laser un maximum. Voilà. Donc ça, je vais mettre ça dans les commentaires. Sinon, je vais mettre autre et... Enfin, dans les fiches, plutôt. Et je mettrai autre pour ceux qui veulent... qui veulent simplement soumettre une autre idée, on va dire. Donc, dans les commentaires. Voilà. Voilà comment je vais m'organiser. Et il y aura peut-être un jour ou deux où vous aurez que deux vidéos, spécialement. Et où il n'y aura pas de Fallout pour vous faire un petit peu patienter, entre guillemets. Donc, dans tout ce bordel... il y a l'air d'y avoir des choses au sud du musée de la sorcellerie. On va y aller un petit peu. Ça me fait chier, j'entends la pluie derrière moi. J'espère que vous ne l'entendez pas dans le micro. Donc dans la vidéo. Ça me fait chier, on a un temps de merde en ce moment. On a un temps de merde. Bon, c'est pas grave. Il existe un grand choix de grenades dans le Commonwealth. De la grenade à la plasma haute technologie. Ah oui, je vous garderai une petite surprise aussi du coup pour tout ce qui est... Ah bah... Non, c'est pas un abri. Je croyais que c'était un abri, merde. Il y a plein de choses qu'on n'a pas visitées par là. Hop, on ressort l'arme. Par contre, on voit que les munitions descendent vite, hein, sous toutes nos armes. Hop. Qu'est-ce que... Putain, je l'avais pas vu là-bas. On va enfin se marrer. Pourquoi ils m'attaquent eux, en fait? Qu'est-ce que... C'est quoi leur gun? Qu'est-ce que ça fait de se faire respirer par une arme. Hop. Ok. Donc eux, c'est des malades mentaux. Pourquoi pas, hein? Commence à me gonfler. Je tiens, ordure. Oh la vache. Enveloppez-moi de ta force, frère. Ils font mal. Je ne voudrais pas. Il est bien crevé, oui. Putain, mais où est-ce qu'il est celui-là? Je le vois pas. Je vais tous vous. Tiens, bouffe. C'est en bois, ça devrait passer. Oh la vache! Quoi? What? Mais c'est quoi cette zone? Entre les rades et tout le reste? C'est quoi cette zone? En plus j'ai pas sauvegardé du tout, moi j'y allais en mode peinard. What? C'est quoi ce bordel? Oh nom de Dieu! Ça me rappelle un Dragon's Dogma ça! Remarque, leurs armes sont badass. J'en veux. Vous allez vous taper un double chargement, chers amis. Je suis désolé, hein, sincèrement. Hop. Franchement, je suis désolé. Dernière année, votre compagnon auquel vous avez entraîné une relation amoureuse, confère la petite vie d'étreinte amoureuse qui augmente considérablement les points de vue que vous gagnez pendant un temps limité. Ah, c'est encore pire que... D'accord, c'est encore plus craqué. Ok, pourquoi pas. Alors. Surtout qu'il rapporte pas d'XP. Non, l'institut, c'est les gentils, chers amis. Allez, on y retourne. Cette fois, on joue pas trop au con. On sort le snipe. D'ailleurs, j'attends avec impatience de nouveaux snipers. Hein, en mode. Parce que je trouve que celui-ci... Ou alors, je... Non, je sais ce que je vais faire. Ok. Hop. Une minute. Qu'est-ce que... T'as entendu quelque chose? Ok. Tu peux te pousser, s'il te plaît. Qui est là? Venez contempler la gloire d'Atom. Oh, ils sont complètement finis là. Silence. Quoi? Atom me prévient. Quoi? C'est ça que j'aime dans ce boulot. Qu'est-ce que... Rassemblez-vous. Mais... Ok. Est-ce qu'elle va passer au bon endroit? Putain, j'avais oublié celle-là!
Je crois que c'est nuque en plus. Parce que pour me faire autant de dégâts. Qu'est-ce que... C'est des nukes. Ils envoient des grenades nukes. Ok. J'ai plus aucun respect à avoir pour eux. C'est bon, j'ai compris. Vous voulez de l'atome? Tiens, bouffe de l'atome. T'en veux encore de l'atome? De son rayonnement, les aveugles. Dispersez-vous. Ah! Ça te plaît? Non! Reste avec moi. Ah, t'es marrante, toi. Reste avec moi, reste avec moi. Tiens! Tu veux de l'atome? Méfiez-vous. Ça l'a pas tué. Oh putain. Ah ils aiment ça les rats. Ah bah là je suis mort. Oh la gueule. C'est quoi ce village? C'est le village de la mort. Non, je suis désolé, le coup du Fatman est nécessaire là. Oh la gueule! T'as entendu quelque chose? Ah non, j'ai rien entendu moi, je. Je fais ce que je pneu, hein, comme dirait l'autre. Hein. Oh mais non! Y'a pas de raison! Y'a pas de raison là! Mais c'est pas possible, putain! Cette zone! Elle me rappelle Dragon's Dogma, j'ai tourné l'épisode Alt F4 ce matin! Quoi, j'en ai pas tué un seul? Là. Mais c'est quoi cette zone? Oh la gueule. Oh putain, puis quand c'est pas... Ah mais c'est quoi cette zone? Putain. Oh maman, je veux mourir. Laissez-moi mourir en paix. Putain, j'ai juste intérêt à... Oh non, tu vas pas m'échapper. C'est là, petite raclure. J'ai essuyé mes bottes sur ton cadavre. Ok, et 2-1. Une minute. T'as entendu quelque chose? Ça va. Attends, mets mon armure. On reste loin. Ok, j'ai pas réussi à le pacifier celui-là. Ah, c'est des gamma guns qu'ils ont, c'est tout. Quelqu'un nous suit. Ok, ça a pas suffi. Bon, par contre, ce qu'on peut faire maintenant, c'est... Hop, c'est ça. La sauvegarde rapide. On a pas touché un seul. Fais chier ça. Aïe! Atom nous appelle pour soulager. Non, tu ne mourras pas. Kate! Tu devrais te pousser! T'es pas au bon endroit! Putain, mais ça va me tuer. On va enfin se marrer un peu. Ah, il y en a qui m'attaquent avec des vraies balles. Et de deux! Il en reste combien? Mais merde. Mais bouf. Quoi? Comment ça? Il est pas mort. Voilà. J'ai pas d'autre solution. J'ai pas d'autre solution. C'est pas des conneries. T'as vu comment qu'il sort? Où que t'es? Attends, t'as entendu? Putain, mais il est balèze ce mec, c'est qui?
Je vais encore crever. Hop, c'est bon, on les a eus. Oh nom de Dieu. Ah bah tu m'étonnes qu'il en reste que des bouts. Nuque à grenade, non mais lol. Vous avez vu ça? Oh, le manque de respect quoi. Et en plus j'ai me bouffé des rades là-dedans. Oh nom de Dieu. Je suis sur le cul là. Ah non, je veux pas de leur viande, hein, c'est mort. Hein. Elle va être complètement irradiée. Non, 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 c'est mort. Franchement, c'est mort. Ouah, la gueule. Ah, t'es tombé dans l'eau, c'est pour ça. Ah, je croyais que ça aurait cassé le truc, c'est marrant. On a nulle part où se mettre à couvert. Ok. Terminal déverrouillé novice, qu'est-ce que c'est? C'est pour les lumières, tout ça, j'imagine. Glove? Non, zéro. Bon, d'accord. Sides? 1. Pax? Ouais. Ça peut être que ça, c'était le S à la fin. La balise? What? Immerge-nous dans le rayonnement divin. Nous avons envoyé nos fidèles à la tour sur la falaise. Ils vont mettre en place une balise qui pourra appeler les enfants d'Atome à nous et rejoindre nous rejoindre dans son rayonnement. Les hérétiques eux-mêmes prendront part à la grande fragmentation. Ouh là là. Je sens que la balise, c'est une bombe! Comment des tourelles et des projecteurs, tout ça, je m'en suis déjà occupé. Ça fait pas de mal de jeter un œil. Ok, qu'est-ce que tu branles là-dessous, toi? Je te le demande. Donc la balise, elle est là-haut, d'accord, ok. Il y a une maison là-bas aussi. Et il y a un coffre là-bas. J'ai pas d'armure ni rien, donc allez vous faire foutre. Gamma gun. Je t'enfile un, oui, non, non, non. Pas tout de suite. Par contre, on en bouffe tellement des rades, c'est d'une violence. Ok, allez on se barre. Attendez, il y a des munitions et un coffre. Coffre, je prends. Enfin, munitions, je prends coffre. On va essayer de l'ouvrir sans casser trop de. Hop, parfait. Joli. Ce serait cool qu'il y ait un mode qui serve, chers amis, attention, à faire comme dans Payday, vous savez, vous mettez une putain de drill devant. Je vais peut-être me mettre à faire des requests sur. Je sais pas si c'est possible, mais moi j'aime bien tous ces trucs là, toutes ces possibilités là. Kate, t'es où? Ça y est. Bon, donc on peut être certain de retrouver des prédicateurs ici. Hein. Comme ils l'ont si bien dit, ils ont envoyé une équipe. Les mains en l'air. Débile. Quoi? Mais il a enchaîné, il s'est calmé puis après il a repris, non? Ou j'ai rêvé? Ouais, c'est ça, il s'est retourné. Tu es bien crevé. Ok, non, 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 non. Ok. J'ai récupéré trop de gamma gun, c'est pas bon. Oh la vache! Ok, bon. Je vais faire un truc que je n'aime pas faire, chers amis. Je vais prendre un Radix, un Radaway et un Steampack. J'aime pas prendre des Radix. Pour ceux qui s'en souviennent. Oh, ça réduit à peine. Ah oh, putain! Il est précis avec son pistolet, lui. Allez. Voilà. Ouh. Ça, c'est fait. Putain, ils sont balèzes. C'est marrant, j'ai pas l'impression d'avoir du son dans... Est-ce que ça vient de mon casque? Arrête de jouer à cache-cache. Attends, j'entends bien, toi. Wow. C'est moi qui récupère le matos. Désolé pour ta tête. Oui, si tu veux. Comment ça, illégal? Tu veux rire? Je me fais attaquer par vos prédicateurs et c'est de ma faute! Non, non, c'est mort!
Allez, meurs. Non. Oh putain. Ah, oh, ça me saoule. Franchement, ça me saoule, chers amis. Ah. Oh. En fait, c'est pire que les kamikazes, parce que eux, ils sont balèzes. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Que les flammes d'atomes brûlent à mes côtés. Ok. J'en ai plus qu'assez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a? Tiens, bah écoutez. Atome et la bombe. Nous sommes la bombe. Quoi? Regardez ça! Il a résisté! Voilà, voilà, voilà l'ineptie de ce jeu. Toutes les oreilles sont assourdies pour entendre le tonnerre de sa voix. Bon, je ne crains pas. Voilà l'ineptie de ce jeu, chers amis. J'appartiens à ses fidèles. Enveloppez-moi de sa force, mes frères. Laissez les flammes de son éclat brûler votre vaillant. Regardez ça! Chargé, enfant d'atome! Meurs! Tous les yeux seront aveuglés pour contempler ta gloire. Ben, tu sais quoi? Dans la maison! Quoi? Mais regardez ça! Dégage! Hop. Merci. Allez, je bourre maintenant, c'est la merde. Rassemblez et contemplez la puissance d'atome. Voilà. Ok. Et meurs, bon Dieu! Putain, mais! Vais essuyer mes bottes sur ton cadavre. Ah! C'est quoi ce bordel? Je sais plus quoi prendre, j'en suis bouche bée, chers amis, franchement. Ça pourrait peut-être marcher. Quoi? Quoi? Putain, mais le mec veut ce qu'il me tire, quoi! Hop! Venez vous battre, bande de connards! Hop, les! Où est l'autre? Il en reste un! Je le sens! Allez, montre-moi ce que... Attends, quoi? Mon bras! Dégage! Oh putain! Non! Je t'ai vu! Au moins que c'était des... Oh la gueule! Oh la zone de merde! Est-ce que je peux... Voilà, merci. Merde, j'en ai gaspillé un paquet par contre. Parce que ça voulait pas en fait tant que j'avais un truc dans la... Dans le viseur en fait. C'est naze. Mais c'est pas grave. J'irai en racheter. Oh la gueule! Putain! Cette zone de merde! Il a perdu des bouts, lui. Lui aussi, sûrement. Oh la gueule! Ah, moi, je veux un fusil à clous pour ces mecs-là. Hein. Je veux les garder à distance. Hein. Rien à fou. Atelier fouillé? Devait éliminer tous les ennemis du secteur. Je crois que c'est fait. Hein. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Viens par là, attends. Faut que je te prenne par la tête. Ah, effectivement, ça va être compliqué de te prendre par la tête. Bon,
bah écoute, je te renvoie par là. Hop. Par contre, apparemment, il nous resterait des ennemis dans le coin. Oh! Attendez. Il a bien resté une mine quelque part. Cryomine, voilà. Quoi? Mais ça marche même pas! Ah bah. Ah bah, je m'attendais à beaucoup plus de difficultés. Ah! Stealth Field. Normalement, ça c'est le bien. Ça c'est le bon anneau, celui que je cherche. Champ de furtivité ajouté. Voilà! À partir du moment où je suis immobile. Je reconnais que c'est complètement craqué, hein, mais c'est. C'est bon quand même, hein. Putain! Bon, c'est bon à savoir. Ok. Si jamais je suis dans le pétrin au niveau d'une mission d'infiltration. Oh là là, dans le pétrin, je me sens vieux d'un coup. Hop. Ou alors? Ici. Ok, cool. Ok, parfait. Cette zone est donc à moi, chers amis. Bon. Eh ben. C'était pas sans mal, hein. Nom de Dieu. Vous savez quoi? On va essayer de rejoindre le. Donc la petite maison qui était là, déjà. De base, hein. Tant pis pour les rats, dans le sens où on est bouffé un paquet déjà depuis le début de l'épisode, donc c'est plus la peine de chercher. Hein. Donc c'était pas une maison, apparemment. Hop. Ok. Très étrange, je m'attendais pas à ça. Tout par là en fait. Non, non, c'est vraiment étrange. Hein. Je ne vois pas ce que c'est. Ah bah il y avait un sac là, ça y est, je viens de comprendre. Deux sacs même. Ok, pourquoi pas. Distributeur d'azote liquide médical. On avait vu le coffre là-bas, voilà. Il y a un bateau là-bas, vous me direz aussi. Est-ce que c'est un radeau? Non, même pas. Boston Bugle. Le whisky, je prends. Pas touché au corps. Boîte d'épingle, je comprends pas pourquoi, parce qu'elle était déverrouillée. Il y a un avion? C'est un avion, je rêve pas. Hein. Enfin, un bout d'avion. Ah, je peux pas aller en dessous, dommage. Salut les filles. Hop. Avec un radeau. C'est clairement un radeau. Hein. Et un mec sur le radeau. Oh putain. Et elle me fout les boules. C'est pas un avion ça. Enfin c'est un avion de Fallout peut-être. Pour moi c'est pas un avion. C'est plus une soucoupe volante. Hein. Soyons honnêtes. Metal box vide. D'accord, ok. Livre brûlé. D'accord, il dormait là. Ça je veux bien le comprendre. Qu'est-ce que... Ah oui non, c'est des fleurs. Je croyais qu'on pouvait choper un truc dans l'avion. Je me disais what? Génial! Eh ben non! Dommage! C'est des fangeux. C'est clairement des fangeux. Tiens, bah du coup, on pourrait essayer notre ring. Hey Einstein, tu bouffes des radiations, faut bouger. Je bouffe des radiations? Ah bon? Une minute. T'as entendu quelque chose? Tu ne me verras pas. Tu auras beau venir, tu ne me verras pas. Je dois être à cran.
Ah, ça me bouffe des PA. Ah, c'est équilibré. Ok, je suis d'accord avec ce système. Ok, bon. Hop. Ah, ça fait bizarre. Ok, il y avait la maison du cratère, le phare de Kingsport. Ouais, d'accord. Donc, il y a toute une zone encore à vérifier par là. Ok. Eh bien, écoutez, les amis, moi, je vais rentrer à Sanctuary pour cet épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Et encore une fois, répondre au sondage que je mettrai normalement si j'y rêve, si j'y pense. Hein. Donc, dans les fiches de cette vidéo. Donc, les fiches, c'est une interface, entre guillemets, viewers, youtubeur, intégrée à YouTube. Donc, et donc, normalement, vous devrez pouvoir faire un sondage dans ce domaine-là. Donc, encore une fois, merci à vous pour avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut, les gens. Et hop.